Bonjour, bienvenue aux archives départementales de l'Isère, un service du département de l'Isère. Je suis ravie de vous accueillir pour la visite guidée de notre exposition « Les frères Champollion, la correspondance dévoilée ». Je suis Hélène Vialet, je suis la directrice des archives départementales. C'est un service public qui est ouvert à tous. Il suffit de se présenter avec une pièce d'identité pour obtenir une carte de lecteur, ce qui vous donne la possibilité de consulter des fonds qui remontent au Moyen-Âge, puisqu'ici nous conservons le patrimoine écrit du département de l'Isère et de l'ancienne province de Dauphiné. Avant de visiter l'exposition sur les frères Champollion, je voudrais vous dire quelques mots des archives départementales de l'Isère. Là, nous nous trouvons dans le grand atrium et vous pouvez apercevoir tous les étagements des magasins d'archives. Puisqu'ici, dans ce bâtiment, nous avons une capacité totale de 70 km linéaires d'archives. Notre unité de travail, c'est le mètre linéaire, c'est-à-dire sur une étagère d'un mètre, les cartons et les registres que l'on peut disposer. Donc nous avons de quoi voir l'avenir sereinement. Actuellement, nous avons 40 km linéaires de documents. Chaque année, les archives s'accroissent puisque nous recueillons les archives définitives des administrations, des tribunaux, des services publics qui existent dans le département. Et nous enrichissons aussi nos fonds avec des archives d'origine privée quand elles ont un rapport avec l'histoire de notre département. Alors, en cette année 2022, vous savez que nous commémorons le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes. Et ici, aux archives départementales, nous avons la grande fierté d'avoir un fonds d'archives extraordinaire qui est la correspondance entre les deux frères Champollion. Jean-François, qu'on connaît évidemment comme étant le déchiffreur des hiéroglyphes, et son frère aîné, Jacques-Joseph. Cet ensemble formidable de 60 volumes de correspondances, de documents d'archives, de notes, de travaux scientifiques, a été acquis en 2001 par le département de l'Isère, en même temps que la maison des frères Champollion à Vif, dans laquelle se trouve aujourd'hui le musée Champollion. Notre exposition s'intitule « La correspondance dévoilée », parce que ces précieux volumes n'étaient pas connus, très peu de chercheurs avaient pu y avoir accès, et notre objectif en cette année 2022 était de pouvoir présenter finalement les révélations que nous pouvons apporter suite à l'examen approfondi de ces volumes. Et en particulier, la richesse et la profondeur des liens qui ont uni les deux frères tout au long de leur vie. Jusqu'à présent, et c'est normal, on mettait en avant une seule personnalité, celle de Jean-François. Eh bien, la correspondance permet de révéler d'autres aspects. Et dans l'exposition que nous allons parcourir ensemble maintenant, eh bien, nous avons utilisé les volumes les plus riches de cette correspondance ainsi que des documents historiques des archives départementales de l'Isère qui replacent les deux frères dans leur époque, dans leur contexte. Le cœur de notre exposition, c'est l'union profonde et indéfectible qui a existé entre ces deux hommes, Jacques-Joseph Champollion, le frère aîné, appelé aussi Champollion-Figeac, et son frère cadet, Jean-François, le fameux découvreur des hiéroglyphes. Et cet attachement qui a existé de façon indéfectible entre les deux hommes, eh bien, il nous est révélé par la correspondance, par la lecture de toutes les lettres qu'ils ont échangées pendant 25 ans. Ces deux personnages ont eu une vie extraordinaire. Elle est illustrée dans notre exposition par des documents d'archives, par des lectures de documents, et ils sont replacés dans leur contexte historique. Ils ont vécu à une période capitale de l'histoire de France, une période très mouvementée, et ce ne sont pas simplement des savants qui passent leur temps enfermés dans leur cabinet de travail, mais bel et bien des personnes qui sont prises dans leur époque, soumises aux aléas de la politique, en relation avec tout un milieu scientifique.
Alors, les deux frères Champollion sont nés à Figeac, dans le Lot, mais leur père était originaire du Dauphiné. Et assez vite, Jacques-Joseph Champollion, le frère aîné, est venu s'installer à Grenoble. Et il a fait venir auprès de lui son frère cadet, Jean-François, parce que c'est lui qui s'est occupé de son éducation. Donc ils sont arrivés à Grenoble dans les premières années du 19e siècle, et c'est là que Jean-François a commencé ses études au lycée de Grenoble. C'est là aussi que cette passion pour l'Égypte s'est développée. Parce que Jean-François était fasciné par cette civilisation qui restait mystérieuse, puisqu'on ne connaissait pas, on n'arrivait pas à comprendre ce qui était écrit sur les monuments, et il l'a fait partager à son jeune frère. Et très tôt, alors qu'il était adolescent, Jean-François s'est passionné pour les langues orientales, pour les civilisations, et son frère a vu les dispositions extraordinaires qu'il avait pour les études, et il l'a évidemment encouragé. Mais cela n'aurait pas suffi si, à Grenoble, il n'avait pas fait la connaissance du préfet Joseph Fourier, préfet qui lui-même avait fait partie de la grande expédition scientifique de Bonaparte en Égypte. Et le préfet Fourier, outre sa charge d'administrateur du département, eh bien, il écrivait une préface à la grande édition qui s'appelle « La description de l'Égypte ». Et il s'est lié d'amitié avec Jacques-Joseph Champollion et ensuite avec Jean-François. Et le préfet Fourier animait, était un peu l'animateur aussi de la vie culturelle à Grenoble. Et ça a été le premier pas des Champollion vers, je dirais, leur ascension sociale. Entre les années 1808 et 1816, les deux frères Champollion sont donc extrêmement impliqués dans la vie culturelle grenobloise. Les deux frères sont responsables de la bibliothèque de la ville de Grenoble, c'est une institution très importante. Ils sont également professeurs à l'université de Grenoble. Mais ce ne sont pas seulement des savants, ils sont aussi pris dans le contexte politique de leur temps. Et les deux frères ont vraiment une admiration et un soutien constant pour Napoléon. Et vous savez qu'au moment après la première abdication de Napoléon en 1814 et à nouveau lorsqu'il est déchu définitivement en 1815, eh bien les engagements politiques, étant donné le retournement complet de gouvernement qui va s'en suivre avec le retour des Bourbons, eh bien les personnes qui se sont engagées aux côtés de Napoléon vont le payer cher. Et donc effectivement, les deux frères Champollion vont perdre leur poste de bibliothécaire et d'enseignant à l'université. Jacques-Joseph va arriver à renouer une carrière parisienne. Jean-François, qui est resté à Grenoble, est un fervent soutien de l'Empire libéral. Il est secrétaire de la Fédération dauphinoise et à ce titre, il est très engagé politiquement. Ça veut dire qu'il va avoir, dans les années suivantes, les deux frères vont avoir des ennuis. Ils ne sont pas du tout dans la ligne du pouvoir, ils sont anti-royalistes. Et à cause de cela, ils vont être exilés à Figeac, leur ville natale, en 1816 jusqu'en 1817. En raison de son engagement politique, Jean-François va être expulsé de Grenoble en 1821. Il perd tous ses postes de bibliothécaire et d'enseignant et il va à Paris rejoindre son frère. Et là, il va se trouver dans les meilleures conditions pour pouvoir enfin reprendre ses recherches de déchiffrement des hiéroglyphes. Alors il faut savoir qu'à l'époque, effectivement, il ne s'est pas encore rendu en Égypte et il ne dispose que de très rares sources sur lesquels asseoir son déchiffrement. Alors tout le monde connaît la fameuse pierre de Rosette, mais à cette époque-là, la pierre de Rosette, elle est entre les mains des Anglais. Et Jean-François ne dispose que d'empreintes de la pierre de Rosette, des empreintes qui sont de mauvaise qualité. Donc vous imaginez quand il s'agit de déchiffrer des caractères aussi compliqués
que les hiéroglyphes, ça n'est vraiment pas facile pour lui. Donc il a entamé ce processus de déchiffrement depuis 1808. Mais il ne faut pas imaginer un déroulé linéaire de cette recherche. Et c'est là que son frère aussi a un rôle fondamental, c'est qu'il a toujours été là pour l'encourager, pour lui dire mais ne renonce pas, il faut t'y remettre, essaye avec telle méthode, essaye de te procurer telle et telle source pour pouvoir avancer. Et donc Jean-François a persévéré. On peut dire que les deux dernières années, 1821-1822, ça a vraiment été crucial. Il a enfin pu disposer de sources meilleures. Il a confronté ses résultats. Et il y a tout juste deux siècles, le 14 septembre 1822, il a trouvé. Il s'est précipité dans le bureau de son frère. Il lui a dit « ça y est, je tiens l'affaire ». Et il était tellement épuisé par son travail qu'il a fait un malaise. La nouvelle du déchiffrement des hiéroglyphes réalisé par Jean-François Champollion a eu évidemment un grand retentissement dans le monde scientifique. Cependant, cette nouvelle n'a pas toujours été bien accueillie. D'une part parce qu'il y avait des compétiteurs de Jean-François, notamment en Angleterre avec le docteur Young, et il avait aussi des détracteurs et des personnes qui étaient jalouses de ses succès et qui ont émis des réserves en disant « mais finalement Jean-François Champollion n'est jamais allé en Égypte, tout ce qu'il avance ce sont de pures théories ». Les deux frères ont entamé ensuite un autre combat qui était d'obtenir une approbation du gouvernement au plus haut niveau pour obtenir des fonds pour publier les recherches, pour pouvoir faire une expédition en Égypte. Et dans cette vitrine, nous avons présenté un des volumes les plus importants de la correspondance des frères Champollion, dans lequel se trouve cette petite note qui est le déchiffrement d'une des lignes de l'inscription de la pierre de Rosette, avec la traduction, donc tout cela de la main même de Jean-François Champollion, et on reconnaît au centre notamment le cartouche de Ptolémée, qui nous rappelle des souvenirs scolaires, puisque la civilisation de l'Égypte pouvait enfin s'ouvrir à tous les savants grâce à ce déchiffrement. Depuis son enfance, Jean-François avait un rêve, se rendre un jour en Égypte pour être sur place, découvrir les monuments de cette civilisation qui le fascinait. Et c'est seulement 6 ans après la grande découverte de 1822 que Champollion va enfin pouvoir monter une expédition en collaboration avec la Toscane, puisque le grand-duc Léopold était aussi un fervent admirateur de la civilisation égyptienne. Et il touche terre à Alexandrie, en Égypte, en août 1828, réalisant ainsi le rêve de sa vie. Et dans les correspondances, nous avons conservé toutes les lettres que Jean-François écrivait à Jacques-Joseph depuis l'Égypte. Et c'est vraiment, c'est vraiment avec une grande émotion qu'on lit ces lignes, parce qu'il nous fait partager tout son périple qui va durer 17 mois, remontant le Nil à la découverte de tous les sites dont certains étaient déjà connus par la précédente expédition, et surtout passant toutes ses journées avec les membres de son expédition à faire des fouilles, à relever des inscriptions, à dessiner au maximum, parce qu'il sait que le temps lui est compté et qu'il ne reviendra peut-être pas en Égypte. Donc à la descente, il s'attarde particulièrement à Thèbes, à Karnak, dans la vallée des rois, et nous avons dans les volumes, dont le volume numéro 18, tout le détail de ses explorations. Dans ses dernières lettres à son frère, il explique tous les projets et tout ce qu'il veut faire, fondé sur la masse de toutes les informations qu'il a rapportées d'Égypte, il va pouvoir publier enfin sa grammaire, son dictionnaire égyptien, parce que dès ses voyages scientifiques en Italie, il avait déjà pu vérifier la justesse de ses hypothèses. Et grâce à tout le travail de relais fait par son frère aîné, qui publiait régulièrement toutes les découvertes de son frère, eh bien le milieu scientifique apprenait que oui, ce qu'il avait découvert en 1822, c'était complètement exact.
Mais ses ennuis de santé ne lui ont pas permis de publier toutes ses recherches. Et lorsqu'il est mort en mars 1832, à même pas 41 ans, eh bien Champollion laissait derrière lui une masse énorme de travaux prêts à être publiés. Mais néanmoins, s'il n'y avait pas eu son frère aîné, qui a consacré une bonne partie de la vie qui lui restait à promouvoir l'œuvre de son frère, à empêcher qu'elle soit victime de plagiat et à faire publier ses recherches, eh bien, le nom de Champollion n'aurait eu sans doute qu'une gloire éphémère au moment de la découverte. Nous arrivons au terme de cette visite guidée. Donc, l'exposition est ouverte aux horaires d'ouverture des archives. Si vous souhaitez aller plus loin dans la connaissance de la correspondance des frères Champollion, eh bien, nous avons commencé la numérisation et la mise en ligne des volumes qui traitent de l'égyptologie dans cette correspondance. Actuellement, il y a 2 volumes qui sont en ligne et au fur et à mesure, nous allons enrichir cette collection. Ces volumes sont disponibles sur notre site internet. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine visite guidée.